luttons. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte. C'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air, comme ça, en titubant. Il est saoul. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre, et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est saoul. Il roule dans le ruisseau, sa mitre tombe. C'est le soir. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque. L'évêque regarde le chien. Il se regarde en chien de faïence. Mais voilà l'évêque fermant les yeux, l'évêque secoué par le hoquet. Le chien reste immobile et seul. Mais l'évêque voit deux chiens. Dégueulis, dégueulis, dégueulis. Voilà l'évêque qui vomit. Dans le ruisseau passent des cheveux, des vieux peignes, des tickets de métro, des morceaux d'ouate thermogène, des préservatifs, des bouchons de liège, des mégots. L'évêque pense tristement, est-il possible que j'aie mangé tout ça? Le chien hausse les épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie, ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie, le pharmacien sort de sa pharmacie, il voit l'évêque, il fait le signe de la croix, puis, plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il l'aide. Il aide l'évêque à vomir. L'autre appelle son fils, fait le signe de la croix, puis recommence à vomir. Le pharmacien, avec les doigts qui ont fait le signe de la croix, aide encore l'évêque à vomir, puis fait le signe de la croix, et ainsi de suite, alternativement, signe de la croix et vomissement. Plus loin, derrière une palissade... Ça rappelle quelque chose. Plus loin, derrière une palissade, dans une maison en construction ou en démolition, enfin dans une maison pour les humains, il y a une grande réception. C'est la grande réception chez les chiens de cirque, la grande rigolade. Il y en a qui ont apporté des os, d'autres des escalopes, beaucoup de choses. Ceux qui ont la queue en trompette font l'orchestre. C'est le grand cirque des chiens, celui qui a lieu le premier vendredi de chaque mois. Mais seuls les chiens savent ça. Devant tous les chiens assis, les autres chiens font leur numéro. Le chien d'aveugle, le chien de fusil, le chien de garde, le chien de berger. Mais voilà le grand délire. Et les spectateurs aboient du vrai grand rire. Le chien de la rue de Rome vient d'arriver. Il a sur la tête la mitre et il fait le pitre. Le pitre. Avec tous les gestes saints, le clown chien aboie en latin. Il aboie au Christ, il aboie au Vendredi Saint et dit la messe avec sa queue. Et tous les chiens se tordent à qui mieux mieux. Notre père chien qui est aux cieux. Mais le veilleur de nuit se réveille. Et le monde des chiens s'enfuit. Le veilleur de nuit se rendort. Le veilleur de nuit est pris par le rêve. Rêve de silence, rêve de bruit, rêve, rêve de Rome. Rue de Rome, le ruisseau coule doucement. Dans son rêve, le veilleur de nuit l'entend. Rêve de ruisseau, rêve d'eau, rêve de rue, rêve de Rome, rêve d'homme, rêve de pape, rêve de Rome. Rêve du Vatican, rêve de souvenirs, rêve d'enfant. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Le veilleur de nuit se réveille en répétant parfaitement, parfaitement. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Il se réveille, il se lève, il se lave les dents, répétant, répétant. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Et le voilà, sa lanterne à la main. Le voilà qui suit son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin le mène à Rome, comme tous les autres chemins. Parfaitement, parfaitement. À Rome, devant le Vatican. Parfaitement. Pauvre veilleur de nuit. Le voilà perdu en plein jour, au beau milieu d'une ville peuplée de gens qui ne parlent pas la même langue que lui. Triste voyage. Soudain,
Il voit une petite fumée qui monte dans le ciel, au-dessus des maisons. Alors il crie « Au feu !» Mais un Italien lui explique en italien que toujours il y a une petite fumée qui monte dans le ciel quand un nouveau pape est élu. Le veilleur de nuit n'y comprend rien, il hoche la tête et le soir tombe sur la campagne électorale à Rome. Le pape est élu. Aux quatre coins cardinaux, il y a des cardinaux qui font la gueule en coin, ils ne seront pas papes. Tout est foutu. C'est alors qu'au balcon, sérieux comme un pape, paraît le pape entouré de ses soupapes. Il a sur la tête la coiffure à trois cornes, appelée tiare. Il étend la main, la foule se prosterne. La foule cherche sa salive, la foule trouve sa salive. La foule crache par terre, la foule se roule dans son crachat. Le pape fait avec sa main de pape un geste de pape. On ferme la fenêtre et la foule s'en va. S'en va par la ville en répétant « Ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons touché du regard. » Un peu plus tard, assis sur ses fesses dans son carrosse de nougat doré, le grand taulier du Vatican fait le tour de son quartier réservé et puis il rentre au Vatican où, fier lui aussi comme un pape, son vieux papa l'attend. Effusion familiale, grandes eaux lacrymales, le père a une tête de vieux paysan, il fume la pipe. Il est simple, hélas, hélas, la pipe au papa du papa pie pue. On ouvre les fenêtres, on brûle du sucre, on ferme les fenêtres. Ce qu'il faut avant tout, c'est de la tenue. Mais tous les ruisseaux mènent à Rome. Et voilà l'évêque qui surgit en agitant sa crosse. Son visage est défait comme un vieux lit. Il titube, l'indignation est générale. Le Saint-Père écarte son vieux père qui veut faire à l'évêque un mauvais parti et s'approchant de l'évêque lui dit « On dirait que vous avez bu. » Et il le lui dit avec une tellement grandiose expression de mépris que tous les cardinaux en sont glacés jusqu'aux os. Silence. Grand silence, mais de courte durée, car l'évêque est plus ivre que le pape ne le pensait, et comme il a appris des mauvais mots dans un bordel de la rue de l'Échaudée, il dit ce qui lui plaît de dire. « Dans tous les cas, si je suis saoul, c'est pas avec ce que tu m'as payé, tout pape que t'es !» Mais il éternue, parce qu'il a froid à la tête depuis que le chien lui a fauché sa mitre. « Fermez les fenêtres !» dit le pape. Un soupape répond à sa sainteté que les fenêtres sont déjà fermées. « Excusez-moi, dit le pape, on peut se tromper. Je ne suis infaillible que lorsque je parle des choses de la religion. » Soudain l'évêque, « Infaillible, tais-toi, tu me fais marrer, face de paix, les choses de la religion, infaillible, il y a de quoi se les mordre, vieille os sans viande, j'en ai marre des choses de la religion. Et puis d'abord, pourquoi que t'es pape et pas moi? Hein, tu peux le dire? T'as profité de mon voyage pour te faire élire, combinard, cumulard, tout ce que tu veux, c'est te remplir la tirelire. » Mais le pape le désigne dramatiquement du doigt. « Barnabé, je vous mets à l'index. » Alors l'affreux vieillard éclate de rire. Il est tête nue, il est secoué, il secoue toute l'eau de ruisseau. Il est ternu, il est trempé comme un vieux tampon buvard abandonné sous la pluie dans la cour d'une mairie triste, trempé comme un vieux morceau de pain dans un verre d'eau sale, et il hurle, et il tonitru. « Ah, il est batte le pape !» Il est gratiné le pape, il se vautre, il plaisante salement l'index sacré. Sais-tu où on le met l'index dans la rue de l'Échaudée? C'en est trop. L'autre affreux vieillard, c'est le pape. Il faut appeler les choses par leur nom. Un chien, c'est un chien. Un tournesol, c'est un tournesol. Une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg, c'est une petite fille qui joue au cerceau dans une allée du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un jardin. Une fleur, c'est une fleur. Mais un pape, qu'est-ce que c'est? Un affreux vieillard. Et c'est pour ça que le catholique pratiquant, lorsqu'il sera au cinématographe parlant pour voir documentairement le vrai visage du Vatican, c'est pour ça qu'il fait une drôle de tête, le catholique pratiquant. Ce qu'il imaginait, ce n'était pas cet ecclésiastique blême, mais un pape.
un homme de nuages, une sorte de secrétaire de Dieu avec des anges pour lui tenir la queue. Mais cette grande photographie plate qui remue la bouche en latin, cette grande tête avec toutes les marques de la déformation professionnelle, la dignité, l'onction, l'extrême onction, la cruauté, la roublardise, la paplardise, et tous ces simulacres, toutes ces mortes et sérieuses pitreries, toutes ces vaticaneries, ces fétiches, ces gris-gris, ce luxe, ces tapis, ces wagons-salons, ces locomotives d'or, ces cure-dents d'argent, ces chiottes de platine, toute cette vaisselle de riche, toutes ces odieuses, ces ruineuses saloperies, tout cela met le catholique pratiquant mal à l'aise sur le fauteuil qu'il a payé 16 francs. Et il entend des rires, de curieuses réflexions. Aux places les moins chères, des spectateurs se tapent sur les cuisses, visent un peu le Saint-Père, comment qu'il est fringué. Avec un anneau dans le nez, je te jure qu'il serait complet. C'est alors que le catholique pratiquant sent monter en lui de terribles questions. Hélas, puisqu'il y a des caches-nez, des caches-tampons, des caches-cols, des caches-noisettes, des caches-peaux, pourquoi n'y a-t-il pas de caches-pas? Point d'interrogation. Et plus d'autres questions. À chaque question qu'il se pose malgré lui, le catholique pratiquant a beau essayer de répondre que la question n'est pas là, la question est là. La question continue d'être en question et remet tout en question. Devinette chrétienne, aimez-vous les uns les autres? Coussi, coussa, c'est la réponse. Il a répondu malgré lui, le catholique pratiquant, et la honte. Quelle drôle de maladie, la honte. Et comme ça rend laid, il pleure. Il voudra aimer tout le monde, qu'il dit. Il ne peut pas aimer, il ne peut que respecter ou haïr, il pleure. Mais sur l'écran, le pape s'en va en retroussant ses jupons blancs. Le film du Saint-Père est terminé. Voici d'autres actualités. Des militaires italiens bombardent un village abyssin. Le catholique pratiquant sent ses larmes se tarir brusquement. Sent son cœur battre amoureusement. Sent ses poings qui se serrent convulsivement. Il aime tellement les militaires, les civières, les enterrements, les cimetières, les vieilles pierres, les calvaires, les ossements. À chaque torpille qui tue les nègres, il pousse un petit gloussement blanc. Devant les images de la mort, la joie de vivre le saisit. Il voit là-haut dans le ciel tous les frères en Jésus-Christ, tous ses frères en Mussolini, les archanges des saints abattoirs, les éventreurs, les aviateurs, les mitrailleurs, toute la clique de notre Seigneur. Il est fou de joie, il est content. Il grimpe sur son fauteuil à 16 francs, il acclame l'escadrille des catholiques trafiquants. Il sent monter en lui l'espoir. Un jour aussi, peut-être, il versera le sang des pauvres, le sang des noirs, le sang de ceux qui sont vraiment vivants. Mais l'enthousiasme, c'est épuisant. Et le pauvre petit malheureux catholique pratiquant, impuissant et trafiquant, le pauvre, 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 petit, très malheureux, très catholique, très pratiquant, se rassoit sur son fauteuil à 16 francs. Le spectacle est permanent, il en aura pour son argent. Et le spectacle recommence. Voilà les gentils animaux des dessins animés, mais ils ne restent pas longtemps, parce que voilà que revoilà le vrai visage du Vatican. Ça commence par des vues de Rome. On montre les quartiers de la ville. Dans une rue, il y a deux hommes. Personne ne les remarque. L'un de ces deux hommes, c'est le veilleur de nuit. L'autre, c'est un Italien qui n'a pas de travail, un Romain. Un Romain avec des pièces au fond du pantalon. Un Romain qui crève de faim. Les deux hommes sortent du film, personne ne s'aperçoit de leur disparition. Et là-bas, ils continuent à se promener dans Rome. Le Romain fait des gestes avec la main. Ces gestes, le veilleur de nuit les comprend. Il n'a pas besoin d'allumer sa lanterne. Ce sont des gestes pareils aux siens. Un pour serrer la ceinture, un pour montrer les devantures, un autre geste avec la main à plat au-dessus du pavé, en penchant un peu l'épaule, ça veut dire qu'on a des enfants, avec les doigts on fait le compte, c'est un Romain qui a 3 enfants et pas de travail. Et ils parlent aussi un petit peu, les deux hommes, et ils se comprennent très bien, avec très peu de mots, le Romain et le Parisien. Gangster, Mussolini, gangster, ils s'éclatent de rire.
Ils se sont parfaitement compris. Une grande joie les fait rire. Gangster, Mussolini, avanti, avanti. Et à voix basse, le Romain chante aux veilleurs de nuit la chanson interdite. Partant pour l'Éthiopie, avanti, avanti. Les fusils partiront tout seuls, c'est moi qui vous le dis. Qu'ils partent donc tout seuls, les fusils, qu'ils s'en aillent. Nous resterons à la maison et quand ils reviendront, nous irons les chercher à la gare avec une fanfare. Le veilleur de nuit ne comprend pas toutes les paroles de la chanson, mais il en comprend le sens et il recommence à rire. Et les deux hommes trouvent d'autres copains, un qui travaille chez Fiat à Turin Cassis. Le veilleur de nuit pense à l'apéritif et ça lui donne soif. Il s'arrête près d'une fontaine, il entend le bruit de l'eau, il s'assoit, il boit, il entend l'eau et son rêve le reprend. Rome, unique objet de mon ressentiment. Il dit au revoir aux autres et il s'en va vers le Vatican. Il ne sait pas d'où ça lui vient, mais il a un tas de choses à dire. Et tout le temps, il pensait à ces choses. Quand il était tout seul auprès du brasero l'hiver, la nuit, dans son chantier, il a un théâtre dans la tête et dès qu'il est seul, ça recommence à jouer. Et c'est des pièces terribles que ça joue. Pas des tragédies à guirlande, avec des bonzes d'autrefois qui débloquent, comme à l'église, des histoires de fesses qui riment, et des pièces avec des hommes de viande, avec de pauvres femmes vivantes, avec du pain, avec des chiffres, des orages de chiffres, toujours des petites sommes, et puis des hommes qui fabriquent, d'autres qui attendent tristement l'autobus sous la pluie, des vieux souliers, des petites filles qui demandent humblement un crédit chez le laitier, des hommes, des femmes, des enfants, des hommes, des femmes, des enfants qui se battent contre la misère, qui pataugent dans leur propre sang, dans le sang et dans la misère et dans le sang, et sur le sang de la misère, les autres se gondolent à Venise, avec des suspensoires d'hermine et des diamants aux doigts de pied. Les cloches sonnent dans les églises pour que les pauvres viennent prier. Mais lui, le veilleur de nuit, il veut empêcher les cloches de sonner. Il veut parler, il veut crier, hurler, gueuler. Mais ce n'est pas pour lui tout seul qu'il veut gueuler. C'est pour ses camarades du monde entier. Pour ses camarades charpentiers en fer qui fabriquent les maisons de la porte Champéret. Pour ses camarades cimentiers, ses camarades égoutiers, camarades surmenés. Camarades pêcheurs de Douarnenez, camarades exploités, camarades de la TCRP, camarades mal payés, camarades vidangeurs, camarades humiliés, camarades chinois des rizières de Chine, camarades affamés, camarades paysans du Danube, camarades torturés, camarades de Belleville, de Grenelle et de Mexico, camarades sous-alimentés, camarades mineurs du Borinage, camarades mineurs d'Oviedo, camarades décimés, mitraillés, camarades dockers de Hambourg, camarades des faubourgs de Berlin, camarades espionnés, bafoués, trompés, fatigués, découragés, camarades noirs des États-Unis, camarades lynchés, camarades marins des prisons maritimes, camarades emprisonnés, camarades indo-chinois de Poulot Condor, camarades matraqués, camarades. C'est pour ses camarades qu'il veut gueuler, le veilleur de nuit. Pour ses camarades de toutes les couleurs, de tous les pays. Et tout en marchant, il arrive devant la porte du Vatican. Et il s'arrête. Devant la porte, il y a des hommes, la plume sur la tête, la hallebarde à la main. Ces hommes lui barrent le chemin et lui demandent ce qu'il veut. Je viens demander au pape s'il est sourdingue. Comprenez ? Je viens lui demander s'il est dur de la feuille et s'il sait lire, s'il sait compter. Lui demander ce qu'il pense de la situation mondiale. Lui demander, puisque de son métier il doit être bon comme le bon pain, ce qu'il attend pour ouvrir sa grande gueule en faveur des opprimés. Et la garde le laisse passer, croyant qu'il s'agit d'un plombier qui vient remettre un joint au robinet de la baignoire dorée où parfois le Saint-Père vient se mouiller les fesses et le dessous des pieds. Il passe. Il traverse les salons. Tu parles d'un bobinard, mon démon. Quel bordel, Madame Adèle. Quel boxon, Monsieur Léon. Il glisse sur le parquet, sa lanterne à la main. Il glisse si vite qu'on dirait un train. Et le voilà qui écrase quelqu'un. Un affreux. C'est un affreux vêtu de noir. Une mèche de pétrole à la place des cheveux. La cravate blanche. Les pieds douteux. Le veilleur de nuit s'enfuit. Laval se relève et s'époussette.
Un valet s'empresse, monsieur le comte, et monsieur le comte Lara demande au valet si la mule du pape est visible et comment il faut s'y prendre pour la baiser selon le protocole. On amène une mule d'essai et l'homme d'état et la bête restent seuls en tête à tête. Le veilleur de nuit, continuant son exploration, arrive dans la grande antichambre, près du grand salon de la grande réception. C'est fou ce qu'il peut y avoir de monde qui rampe sur le paillasson. Un tas de gens connus, des gens qui sont quelqu'un, des journalistes, des hommes de main, des valets de pied, des écrivains, des banquiers, des académiciens. Le veilleur de nuit les écoute. Il parle du nez, de la pluie et du beau temps, mais il parle surtout d'argent. Il y en a qui sont avec leurs femmes, monsieur Deschet avec madame Deschet, monsieur Gézier avec madame Chézière, monsieur Pierre Benoît, madame Antinéa, madame Léon Belby, monsieur Antinous, monsieur Salmi Gondi, madame Cora la Parcerie, monsieur Desblaire et sa veuve, grand-papa Doumergue et ses petits-enfants, et le petit monsieur tout seul, Quenelle de Jouvenel Bertrand, monsieur Claude Fureur, le grand Pétopiomane, et puis des Léon Vautel, des Clément Daudet, des Brioche La Rochelle, des Jacques de la Bretelle, des Mora et des Voraces, des Carbuccia, des Gallus, des Henri Béraud, des Gugus, des compères d'Oriot, des Demé de Kérilis, des Paul Morand, des Chiappes, des Henri Lavedan, et voilà le lieutenant colonel de la Rondelle au flambeau, et les Schneider, les deux Vandelles, tous les vieux débris du Creusot, tous les édentés carnivores, tous les vieux marcheurs de la mort, et ces dames, leurs dames, comme elles sont belles à voir quand on pense à autre chose et qu'on ferme les yeux. Les propos qu'elles tiennent sont tout à fait savoureux. Elles parlent du pape. Et quand elles parlent, elles font avec leur bouche le même bruit désagréable que lorsqu'elles remuent leur prie-Dieu le jour de la grand-messe des morts à Saint-Laurent-Pied-de-Port. Et le pape a dit ceci, et le pape m'a dit cela, et patati, et patata, et ces messieurs s'en mêlent. Comme je le disais au Saint-Père, dit Paul Morand à la Douairière, « Debout les morts et à la douche, nous voulons des morts propres !»« Oh, monsieur Morand, vous êtes le roi des cormorans et toujours tellement garnement. Et la Douairière se chatouille le fessier, elle voudrait bien se le faire dédicacer. » Soudain, elle arrête de se chatouiller et tout le monde arrête de faire ce qu'il faisait. Tout le monde claque des talons, tout le monde rectifie la position. Mussolini traverse le salon. « Le voilà !» L'ennemi du Négus, le voilà l'authentique Gugus, le voilà le nouveau Poléon. Il a la drôle de tête de l'homme qui croit que c'est arrivé, mais qui ne sait pas au juste comment ça va se terminer. Il salue tout ce beau monde à la romaine, et tout le beau monde à la romaine le salue. Soudain, Mussolini aperçoit le veilleur de nuit et s'approche de lui en fronçant les sourcils. « Alors, on ne salue plus ? Je n'ai jamais salué personne, dit le veilleur de nuit. » Et le Duce est très embêté. Cet homme seul, ce sans-gêne, cette lanterne, peut-être que c'est Diogène, on ne sait jamais. Et le Duce, qui ne tient pas à avoir d'ennui avec l'Antiquité, entraîne le veilleur de nuit dans un salon plus discret. Et voilà assis sur une banquette. « Moi, ce que je souhaite, dit Mussolini, c'est le bonheur de mon peuple. »« Tu l'as dit, Bouffi, répond le veilleur de nuit. » Il se met à rire doucement. Mussolini est inquiet. Soudain, il entend du bruit, son inquiétude grandit. Le bruit qui inquiète Mussolini vient de dessous la banquette sur laquelle il est assis. « Ce n'est rien, dit le veilleur de nuit, c'est le roi d'Italie, il fait les 100 pas, il s'ennuie. « Ah bon, dit Mussolini, moi je viens pour voir le pape, dit le veilleur de nuit. « Moi aussi, dit Mussolini, moi aussi, dit venant du dessous de la banquette la petite voix du roi d'Italie. « J'ai rendez-vous avec lui. « Moi je n'ai pas rendez-vous, dit le veilleur, je viens comme ça. » En tourisme. Très intéressant le tourisme. Extrêmement intéressant, reprend Mussolini. Le tourisme. Mais la grande porte s'ouvre, un camerlingue apparaît. En premier de ces messieurs, c'est moi, dit le roi, et il sort. Mais Mussolini donne au monarque un discret petit coup de pied et le monarque rentre dans sa banquette en hochant tristement la tête. Le premier, c'est moi, dit Mussolini. En faisant la grosse voix. Je vous demande pardon, dit le veilleur de nuit, j'étais là avant vous. Avanti, avanti, et il passe. La grande porte se referme derrière lui, et le voilà en présence de celui qu'on appelle le vicaire de Jésus-Christ. Il est assis
sur son saint siège, le vicaire, et devant lui, deux ou trois douzaines de grosses vieilles femmes à barbe imberbe sont agenouillées sur le tapis. Le Saint-Père leur parle en latin et les appelle ses brebis. Drôle de harem, pense le veilleur de nuit. Mais voilà les femmes à barbe qui se lèvent en poussant des cris. Pisitas! Bandira Pisitas! Pisitas! Pisitas Franco! Légère erreur, pense le veilleur. Il comprend qu'il a confondu hommes d'église avec femmes à barbe et qu'il se trouve en présence des évêques, cardinaux, archevêques et bedeaux, des révérends pères gras à l'art brûlés vifs par le Frente Popular dans les souterrains d'Oviedo. Et le Saint-Père écoute avec sérénité la plainte déchirante des malheureux prélats carbonisés. Ah, si tu savais, Saint-Père, ce que ces barbares nous ont fait. Ils nous ont coupé les jambes, et puis ils nous ont pendus par les pieds. Ils nous ont plongé la tête dans l'huile d'olive bouillante. Ils nous ont saignés comme des porcs. Ah, si tu savais, Saint-Père, combien horrible fut notre mort. Ils nous ont crucifiés sur des planches, avec des sales clous rouillés. Mais Dieu qui fait bien ce qu'il fait, Dieu nous a tous ressuscités. Et sur son nuage d'acier trempé, Sainte Tenaille est arrivée. Sainte Tenaille nous a décloués et nous avons erré dans la montagne en portant les vases sacrés. Il y avait des fruits sauvages, nous les avons apprivoisés, baptisés et puis nous les avons mangés. Jusqu'à un tout petit village où dans sa grande automobile, Saint Christophe nous attendait. Ah, quelle terrible chaleur et quelle soif il faisait. Tout nu dans le spider, Saint Sébastien pleurait. Il avait planté de banderilles et ne pouvait les enlever. Sainte Tenaille s'était endormie, pas moyen de la réveiller. Saint Sébastien s'impatientait. On est allé chez un médecin, mais la porte était défoncée, toute la maison saccagée. Et là, Saint-Père, horreur, nous vîmes. Comme nous vous voyons, Saint-Père, comme nous vous voyons. Nous vîmes le médecin et sa dame suspendus à la suspension. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes. Sur le carreau de la cuisine, les 32 filles du médecin éventrées par les miliciens. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes. Un homme étrange qui grelottait. On aurait dit un grand poulet qui sanglotait. C'était l'ange gardien des jeunes filles, plumé vif par les miliciens. Horreur, Saint-Père, horreur, nous vîmes. La bienheureuse Sainte Albumine, dans une bouteille emprisonnée, et tout en haut, du haut de l'église, la bienheureuse Sainte Camomille, empalée sur le clocher. Horreur, Saint-Père, nous vîmes aussi. Mais soudain, midi sonne. On entend un grand bourdonnement. C'est le ventre des prélats espagnols qui grogne parce qu'il n'est pas content. Bon appétit, mes agneaux, bon appétit, mes brebis. Vous me direz la suite au dessert, dit le Saint-Père. Et la délégation des malheureux, bienheureux prélats carbonisés, miraculés, béatifiés et affamés se précipite vers la grande salle où est préparé le banquet. Le pape reste seul, ou plutôt se croit seul. Car il ne voit pas le veilleur de nuit planqué dans l'ombre et qui sourit. Et comme les gens qui sont seuls, qui n'ont rien à faire et qui font n'importe quoi pour passer le temps, le pape se ronge doucement les ongles, machinalement, et puis avec son pied, il aplatit le tapis qui fait des plis, et puis il bâille, et puis croisant sa jambe droite sur sa jambe gauche, il se tapote avec la main le bas du genou pour voir si les réflexes vont bien, et puis il réfléchit. Et toute réflexion faite, il constate que pour ce qui est des réflexes, c'est presque tout à fait complètement fini. Soudain, une voix venant de très loin, une voix désolante, une voix d'os, une voix morte, la voix d'un vieux ventriloque crevé depuis des milliers d'années et qui, dans le fond de sa tombe, continue à ventriloquer. Allô, allô, Radio Séville. Allô, allô, Radio Charnier. C'est le général qui est beau, micro de piano qui postillonne à la radio. Pour un nationaliste tué, je dirais 10 marxistes. Et s'il ne s'en trouve pas assez, je déterrerai les morts pour les fusiller. Et cette atroce voix carriée, cette voix poacre, cette voix nécrologique, religieuse, soldatesque, vermineuse, néo-mauresque, cette voix capitaliste, cette voix obscène, cette voix idéaliste, cette voix parle pour la vermine du monde entier, et la vermine du monde entier l'écoute, et elle lui répond en hurlant. Alors le veilleur de nuit,
entend le vrai cantique du Vatican, la lugubre complainte des prêtres, le cliquetis des baïonnettes, la sonnette du Saint-Sacrement et le bruit des boîtes à pansements, l'affreuse clameur des possédants. En chœur, avec le cœur des bourreaux qui demandent justice. En chœur, avec le cœur des repus qui hurlent qu'ils ont faim. En chœur, avec les égorgeurs qui crient à l'assassin. En chœur, avec la litanie des hommes aux globules noirs. En chœur, avec les vieux cantiques des vieux bourreurs de mou. En chœur, avec les abominables choristes chantant l'abominable opéra sinistre. Sacré cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Mais comme il connaît la chanson, le pape en a marre et tourne le bouton. Silence. Silence troublé par une discrète petite toux. C'est le veilleur de nuit qui fait histoire de montrer qu'il est là. Et le Saint-Père, un peu étonné, fait celui qui ne le voit pas. Il met sa tête entre ses mains. Il se recueille et tout en marmonnant un petit « Notre Père qui est aux cieux », à travers ses doigts entrouverts, il regarde à quel genre d'homme il a affaire, et comme l'homme est plutôt mal fringué, le Saint-Père est un peu inquiet. Il se dit « Quel est cet homme? Que me veut-il? Comment est-il entré ici? C'est peut-être un dévoyé, un anarchiste, un terroriste, un illuminé, un trotskiste ?» Dans les méninges papales, l'étonnement, la crainte et la curiosité se baladent en liberté. Et le Saint-Père continue à prier à sa prière, « Que votre volonté soit faite, c'est peut-être cette vache d'évêque qu'il a envoyée pour me sectionner le gévier. S'il fait un pas de plus, je tire sur la sonnette pour appeler les carabiniers. Sur la terre comme au ciel, il n'a pourtant pas l'air mauvais. C'est peut-être un gros industriel du textile qui vient pour que je casse le mariage de sa fille et s'est déguisé en loqueteux pour que je lui fasse un prix. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si tu crois que tu vas m'avoir, c'est moi qui t'aurai, mon Dieu. Pater noster, qui êtes aux cieux. Peut-être que c'est un de mes fils naturels. Il va m'appeler papa, me demander des ronds. Me voilà dans le beau drap. Quel dommage qu'on ne soit plus autant des Borgia, autant des oubliettes et des petits flacons. Ne vous laissez pas succomber à la tentation. Je vais tout de même lui poser quelques questions. C'est liberados amalo, amen. Quel bon vent vous amène, mon ami? Je n'aime pas la prière, dit le veilleur de nuit. Ça fait un sale petit bruit de poussière. On dirait qu'on bat les tapis. Tout de même, je vous en prie, Saint-Père, comme on dit, je vous en prie, ne m'appelez pas votre ami, gardez vos distances. Je ne suis pas venu vous baiser l'anneau, gardez votre truc sur la tête, moi je garderai ma casquette. Vous me demandez quel bon vent m'amène, je suis venu à pied, le vent était mauvais. Mais tout de même, entre parenthèses, quel drôle de chapeau vous portez. J'ai répondu à votre question, répondez à la mienne, où est le panier ? Le panier, répond le Saint-Père, qui ne sait que faire, que dire, que penser. Quel panier? Quand un pâtissier, dit le veilleur, quand un pâtissier va livrer en ville une pièce montée, un grand gâteau de noces ou d'anniversaire, il met la pièce montée dans un panier, il met le panier sur sa tête, il s'en va là où il doit aller. Il s'en revient, la course faite, le panier à la main, et ceux qui le voient passer disent « Voilà un pâtissier !» Parce qu'un pâtissier, c'est quelqu'un qui ressemble à quelque chose. Tandis que toi, tu ne ressembles à rien. Comme un vieux gars de sauce absurde et morne, comme un vieux faux pâtissier funèbre qui aurait revêtu, on ne sait pas trop pourquoi, la robe de la mariée, tu portes sérieusement, gravement, posée sur la tête, la pièce montée, et tu n'oses pas la bouger, cette tête, de crainte de voir la crème dégouliner, et tu restes là, assis, sans bouger, de crainte de voir la robe se déchirer, de crainte de laisser voir aux autres le personnage tel qu'il est, le grand pâtissier sans panier, le grand homme sans spécialité, possédant toutes les qualités, le grand homme pauvre comme Job, riche comme Crésus, utile comme la paille dans l'acier, le grand homme irréprochable, incorruptible, invulnérable, infaillible, imperméable, insubmersible, et vénérable, et vénéré, et admirable, et admiré, et considérable, et considéré, et respectable, et respecté. Respecté. Voilà le grand mot lâché.
Le respect. Et le veilleur de nuit s'esclave. Le respect. Il s'esclave comme une girafe, il se tord comme une baleine, et son rire, c'est comme le rire nègre des nègres, comme le fou rire des fous, comme le rire enfantin des enfants, c'est le rire brut, le rire qui secoue, le vrai rire, vraiment comme le vrai rire, fou rire du printemps. Vous savez, quand le printemps arrive à toute vitesse en chantant à tue-tête, le printemps fou, le printemps un peu saoul et tellement content, le printemps! Il a sur l'oreille la grande fleur qu'on appelle soleil. Une fille toute neuve, toute joyeuse, toute nue dans ses bras. Il marche sur la nouvelle herbe et la nouvelle herbe frémit sous la caresse de ses pas. La fille est jolie comme un rêve, tellement jolie que le printemps lui-même n'en revient pas. Elle tient dans sa main un oiseau nouveau, c'est l'oiseau de la jeunesse, l'oiseau qui rit aux éclats. Et voilà le pape qui pousse un long cri de détresse. Et qui pique une tête, et qui roule à terre, et qui pique une crise, et qui se relève en hurlant. Il a reçu un éclat de rire dans l'œil. Et continuant son hurlement, il tourne autour de son fauteuil en courant, poursuivi par l'oiseau moqueur, l'oiseau qui rit comme un enfant. « Allez, laisse !» dit le veilleur à l'oiseau. « Laisse, c'est un vieux. Allez, sauve-toi, va-t'en. » L'oiseau s'envole par la fenêtre, l'oiseau s'envole vers les pays chauds, et le pape reprend son souffle. Et ses saints esprits, sauf le respect que je ne vous dois pas, Saint-Père, comme on dit, vous ressemblez à un vieux voyageur de première. Mais pourquoi donc ? Demande le Saint-Père intrigué et confus, tout en s'assurant d'un petit regard inquiet et circulaire que l'oiseau est bien parti. Quand un vieux voyageur, dit le veilleur, quand un vieux voyageur de première, passant pour prendre l'air sa vieille tête par la portière, reçoit dans l'œil une escarmille. Et le pape l'interrompt. Ah, foutez-moi la paix à la fin. Je ne suis tout de même pas arrivé à mon âge et à ma haute situation pour me laisser emmerder par un malheureux petit libre-penseur de rien du tout venu de je ne sais où. Je ne suis pas libre-penseur, dit le veilleur. Je suis athée. Hein, quoi ? Dit le Saint-Père. Et l'autre, dans le tuyau de son oreille, l'autre se met à gueuler. Allô, allô, Saint-Père, vous m'entendez ? Athée. A comme absolument athée. T comme totalement athée. H comme hermétiquement athée, et accent aigu comme étonnamment athée, E comme entièrement athée, pas libre penseur, athée. Il y a une nuance. Mais toi, les nuances, tu t'en balances. Et puis dans le fond, ce que j'en dis, j'étais venu pour te voir, je t'ai vu, ça me suffit. Et le veilleur de nuit fait le geste de s'en aller. Mais le successeur de Saint Lance-Pierre, de Saint Lance-Paul et de Saint Lance-Flamme lui met doucement la main sur l'épaule et le regarde avec une compatissante tristesse, simulée d'une façon si parfaite que le saint simulateur professionnel pris lui-même par le ronron de sa simulation verse les authentiques larmes de la bonté, de l'humilité, de la résignation et de la désolation. Et il gémit « Poussière !» Tout n'est que poussière, et tout retournera en poussière. Tais-toi, dit le veilleur, tu parles comme un aspirateur. Alors le secrétaire général de la chrétienté s'arrête de philosopher, et fusillant le veilleur du regard, en secouant sa noble tête de vieillard sur son goitre somptueux, il entonne d'une voix grave les commandements de Dieu. Garde à vous, repos éternel, garde à vous, l'arme à la bretelle. En avant-marche, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Section halte, couchez-vous, aplatissez-vous, humiliez-vous, enfouissez-vous, rampez. Garde à vous, garde à vous! Contre tous ceux qui osent lever la tête, feu à volonté. Et soudain le Saint-Père cesse de gesticuler et voit en face de lui le veilleur déguisé en Saint-Père, et ce sans aucun doute pour se foutre de lui, le veilleur déguisé en Saint-Père, avec comme lui une tiare sur la tête, et qui comme lui fait de grands gestes en poussant de grands cris, blême de rage, rouge de honte, vert de gris, le pape se jette sur son ennemi, « Avanti, avanti !» Et le voilà le nez ensanglanté, sur la glace, où le Saint-Père s'est cogné contre son auguste reflet de Saint-Père. Il y a une petite tache de sang, une petite tache de sang inodore, incolore, sans saveur, un simulacre de tache de sang. Pour ce qui est du veilleur, il est parti depuis longtemps. Eh oui,
Ça fait déjà un bon quart d'heure qu'il est parti, laissant le pape avec ses grandes manœuvres, ses grandes ordres, ses petits ennuis. Le pape seul dans la grande salle de son Vatican, seul, comme au milieu d'une assiette sale, un vieux cure-dent. Dans la rue, la nuit est tombée, et le veilleur marche dans la rue, dans la nuit. Il tombe une toute petite pluie, sa lanterne est allumée. Quelqu'un court derrière lui, il se retourne et voit dans la lumière un chat de gouttière. Et le veilleur de nuit s'arrête, le chat aussi. « Tu devrais venir par là, » dit le chat, « il y a un oiseau blessé. Des fois que tu serais vétérinaire, on ne sait jamais. Il doit venir de très loin, cet oiseau. Ses ailes étaient couvertes de poussière. Il volait, il saignait, et puis il est tombé très vite, comme ça d'un seul coup, comme une pierre. J'ai sauté dessus pour le manger. » Mais il s'est mis à chanter, et sa chanson était si belle que je me suis privé de dîner. « Je crois que je le connais, » dit le veilleur, et le voilà parti avec le chat de gouttière sous la pluie. Ils arrivent sur une petite place. « C'est là, » dit le chat. « C'est ici, » dit le veilleur, je m'en doutais. Il se baisse et ramasse l'oiseau. « Je crois qu'il en a pris un coup, » dit le chat. « Son aile gauche est arrachée, il n'en a pas pour longtemps. « Ta gueule !» Le chat comprend qu'il faut se taire. Il se tait. Et dans la main du veilleur, l'oiseau de la jeunesse commence à délirer. « Ah, ça m'embêterait de mourir. J'ai vu des choses si belles, si terribles, si vivantes, et puis des choses si drôles, si étonnantes. Ah, ça m'embêterait de mourir. J'ai un tas de choses à dire, et puis j'ai envie de rire, j'ai envie de chanter. Tais-toi, dit le veilleur, tais-toi, si tu veux guérir. Mais puisque je te dis que j'ai vu des choses... » Et l'oiseau se retourne dans la main du veilleur comme un malade dans son lit. Le chat inquiet fronce les sourcils. L'oiseau raconte. Je volais très vite, si vite. Et je voyais au-dessus des Baléares. J'ai vu l'été qui s'en allait. Et sur le bord de la mer, la Catalogne qui bougeait. Et partout des vivants, des garçons et des filles qui se préparaient à mourir et qui riaient. J'ai vu la première neige sur Madrid. La première neige sur un décor de suie, de cendre et de sang. Et j'ai revu celle qui était si belle, la jolie fille du printemps. Elle était debout au milieu de l'hiver. Elle tenait à la main une cartouche de dynamite. Ses espadrilles prenaient l'eau. Le soleil qu'elle portait sur l'oreille était d'un rouge éclatant. C'était la fleur de la guerre civile. La fleur vivante comme un sourire. La fleur rouge de la liberté. Doucement, j'ai volé autour d'elle, sous son sein gauche. Son cœur battait et tout le monde l'entendait battre, le cœur de la révolution, ce cœur que rien ne peut empêcher de battre, que rien, personne ne peut empêcher d'abattre ceux qui veulent l'empêcher de battre, de se battre, de battre, de battre. Ne t'excite pas comme ça, dit le veilleur. Tu as la fièvre, tu saignes, ton aile est arrachée. Essaie de dormir, laisse-moi faire, je te guérirai. Et le veilleur s'en va. La casquette sur la tête, l'oiseau blessé dans le creux de la main, le chat de gouttière tient la lanterne et leur montre le chemin. Jacques Prévert, 1936.